Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc dans cette unité de temps 4 heures à évoluer sous sa moyenne mobile 20 exponentielle en direction ici du support des 1.1140. Donc c'est un support qui a déjà été testé. On évolue dans ce range depuis désormais quelques semaines et une rupture ici appuyée de cette zone et bien pourrait valider donc la poursuite d'un mouvement baissier qui commence à devenir la tendance de fond sur la paire de devises euro-dollar avec comme objectif un possible retour sur la zone des 1.10. Et puis la semaine dernière, j'attirais votre attention sur l'or. Suite au rebond ici sur le support oblique, eh bien on était venu chercher donc la zone ici de résistance majeure de 1298.50. On avait dans un premier temps tenté ici une cassure. On était revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais le deuxième rebond n'a pas permis de valider justement cette cassure haussière. Et donc sur l'accélération, je vous indiquais qu'on reviendrait certainement ici sur la zone de support oblique qui définit, je le rappelle, l'intégralité de la tendance que nous avons depuis désormais quelques semaines et qui avait démarré durant l'été dernier. Donc on est revenu ici sur ce support, donc avec un nouveau contact. Et ce que nous pouvons constater, eh bien, c'est que ce contact semble pour l'instant significatif, puisqu'après celui que nous avons eu ici au début du mois de mai, il semblerait que nous ayons ici, encore une fois, un contact qui nous donne un début de rebond technique. Alors, il est encore trop tôt pour conclure un rebond technique ou voire même un retournement. On voit que l'on a ici sur cette zone oblique eh bien, un mouvement au niveau de la cotation, ce qui valide je dirais, la continuité de ce support. Maintenant, les deux tests ici sont assez rapprochés par rapport à l'intégralité de la dynamique, donc il ne serait pas étonnant que ce support soit cassé prochainement, auquel cas eh bien, nous aurions un possible retour sur la zone des 1264 $ l'once. Ce scénario baissier serait totalement invalidé si les cours parvenaient à casser d'une manière forte et durable la moyenne mobile 20 exponentielle qui descend actuellement vers les cours. Sur le WTI, nous sommes ici sur une progression qui se confirme à la hausse. La semaine dernière, eh bien, nous validions ici la rupture haussière des 62.70 $ le baril, avec donc ce niveau qui devenait support et les cours qui restaient ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, on serait plutôt dans la même veine hein, actuellement. On est encore revenu ici sur la zone des 62.70. Par contre, on commence à bien enfoncer ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, pour l'instant, ce niveau reste support. Par contre, il faudrait vraiment valider ici un prochain rebond technique et on validerait la poursuite ici de ce mouvement haussier seulement en cas de rupture ici de cette dernière zone de point haut significatif qui se situe à 63.80 $ le baril. Une rechute ici des cours sous cette zone de support eh bien, nous redonnerait l'objectif d'un possible retour ici sur la zone, dans un premier temps ici la zone des 60.60 qui a été le théâtre ici des deux points bas d'un point de vue très court terme que nous avons eu récemment, puis sur la zone de support déjà identifiée des 60.30 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on retrouve énormément de volatilité sur ce sous-jacent, puisque depuis ici que nous avions eu la dynamique haussière, on était venu tester ici la zone des 8260 $. Suivi ici d'une phase très rapide et très volatile de baisse qui était venue chercher ici la zone des 6790 avant que le rebond ici ne ramène les cours sur cette zone des 8260. Encore une fois, nous avons des niveaux qui sont très bien respectés avec ici des cours qui reviennent chercher cette zone de résistance majeure et qui retournent ici sur la zone des 7590 tout en restant ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Juste une attaque ici pour valider cette zone comme zone de support. Et donc, on est vraiment entre deux eaux parce que des figures techniques, on en a vraiment de chaque côté. On peut effectivement dire que nous avons ici une configuration en quasi anse avec TAS, donc qui pourrait, en cas de coupure ici, de cassure de cette ligne d'eau, eh bien, nous libérer un potentiel haussier. On peut aussi dire que par rapport à la phase ici que nous avons, la phase de hausse, eh bien, nous avons ce qui peut commencer à ressembler
un double top si les cours continuent à descendre, franchissent les 7590 et reviennent sur la zone des 6790 points. Donc on a énormément de signaux hein, sur cette configuration. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on peut tracer les retracements de Fibonacci donc, sur l'intégralité de la dynamique pour constater que nous avons au final quelque chose de très technique. Hein, regardez bien, nous avons donc dans un premier temps des cours qui viennent chercher ici le 23.6, le 23.6 qui d'ailleurs eh bien, est valide en tant que support. On a juste eu une attaque ici qui a validé le retracement des 38.2. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on a des niveaux de retracement ici, 23,6% de Fibonacci et 38,2% de Fibonacci, qui agissent vraiment comme support. Et cela nous montre que nous sommes plus sur une dynamique haussière, donc qui vraiment l'emporterait par rapport à ses contacts, que sur une dynamique baissière. Maintenant, cette théorie haussière, elle est plutôt valide tant que les cours ici évoluent au-dessus des 7590, donc ça c'est une évidence, mais tant que les cours restent désormais durablement au-delà ici du premier retracement de Fibonacci que nous avons ici à 23,6% et qui est quantifié à 7100$. Donc on reste haussier ici puisque quelque part nous avons ici une forte dynamique qui a marqué une forte progression, un retracement qui marque bien ici le 23.6 et le 38.2 et qui revient rapidement sur cette zone de points haut significatif. Donc ça reste plutôt haussier dans le sens de la continuité de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.